bonjour. On est ravis de vous accueillir sur la troisième édition de Rire contre le racisme. On aimerait avoir vos impressions par rapport à cette soirée-là. Moi, je trouve ça très bien parce que je trouve ça beaucoup plus ouvert que l'année dernière. Il y a des Noirs, il y a des Juifs, il y a des Arabes. Il y a comme ça un grand mélange d'humoristes issus de différentes communautés. Il y en a qui ne font pas partie de communautés non plus et qui sont là. Il y a un Chinois. Je trouve ça bien, tout ce brassage. Alors toi, c'est une aubaine. Tu ne devais pas être présente ce soir sur Rire contre le racisme 3. Et finalement, tu es là. C'est génial. C'est mortel. Qu'est-ce que ça te fait ? Bah, je suis ravie. Déjà, Rire contre le racisme, c'est déjà ce que je mets en avant comme valeur pour mon spectacle. Et en plus, ça va me permettre de faire et du slam et un sketch en stand-up au Zénith devant 5000 personnes. Donc, c'est énorme. Donc, on en profite de ces aubaines-là. Alors justement, qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène de racisme ? Moi, je pense que c'est un tout. Hein. Tu sais, quand il n'y a pas de travail, la situation est précaire, quand... On essaye de s'attacher à quelque chose et souvent cette chose-là est mal. Donc pour certains, c'est la violence, pour d'autres, c'est les crimes. Et pour d'autres, c'est comme nous, se battre en se disant on se tient tous la main, on habite tous la même planète et on essaye tous de se battre tous ensemble. Après, chacun, comment il voit les choses. Il y en a qui les voient mal en se disant non, si je travaille pas, c'est à cause du noir ou de l'arabe ou du juif, ou etc. Nous, on se dit pas ça. Nous, on part, on est des artistes, on vient ici, on n'est pas rémunéré, on est là pour... Il fait super beau, une belle détente, et ça nous permet de roder nos sketchs, de jouer, de faire plaisir aux gens qui viennent. Bonsoir Cartouche. Bonsoir. Donc vous qui êtes présent pour ce troisième festival du rire contre le racisme, en quoi le rire pourrait-il aider à lutter contre ce racisme ? C'est le meilleur vecteur, l'humour est le meilleur vecteur pour passer un peu tous les messages qu'on a envie, et en particulier celui du racisme, de l'antiracisme en tout cas, et j'espère que c'est une arme... douce et une arme intelligente, et j'espère une arme qui touche le cœur des gens pour pouvoir effectivement, si possible, changer certaines mentalités. Bonsoir Mousdiouf. Bonsoir. Donc vous êtes présent pour ce troisième festival. Selon vous, pourquoi le rire pourrait-il aider à lutter contre le racisme ? Ben, je sais pas, on a dit que Coluche avait créé les Restos du Cœur, pourquoi pas une manifestation comme Rire contre le racisme qui pourrait perdurer dans le temps, comme les Restos du Cœur l'ont fait. Je pense oui, sincèrement que le rire, il peut apporter. Après combien de temps ? On ne sait pas, puisque c'est une manifestation par an. Donc, il faudrait que ce soit une manifestation qui se déplace dans la France et qui se déplace un peu de partout dans l'Hexagone pour que ça soit efficace. Mais bon, on va dire que c'est mieux de le faire que de ne pas le faire, de toute façon. Bonsoir Bruno Salomon. Bonsoir mademoiselle Presse. Voilà, presse bonce. Donc en fait, vous êtes présent pour cette troisième édition du festival contre le racisme. Oui, je suis hyper observatrice. Et je voulais savoir, selon vous, en quoi le rire peut-il faire évoluer la lutte contre le racisme ? Parce que ça dédramatise les choses et je pense que il y a plus de messages, il y a plus de profondeur dans le rire, souvent. D'ailleurs, c'est souvent lié, le rire et les larmes, hein, parce qu'on pleure à un mariage et on rit à un enterrement. Donc de toute façon, c'est une émotion, le rire. Donc c'est juste manifester quelque chose et puis de dédramatiser, j'arrive pas à dire dédramatiser pour que les gens assimilent l'info, quoi. C'est-à-dire que moi je dis que l'idée c'est de convaincre les racistes à ne plus l'être. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas racistes, limite on n'a pas plus besoin de les convaincre. Mais l'idée c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, si on lui dit c'est pas bien de fumer, il le sait que c'est pas bien, limite. Bon, il y en a qui ne savent pas vraiment qu'on peut intégrer le truc, mais l'idée c'est arriver à amener les choses en construisant. Moi ce que j'ai envie c'est qu'il y ait des discours positifs, quoi. Bonsoir Laurent Assulène. Bonsoir. Donc vous êtes un tout jeune pianiste et vous participez à cette troisième édition du festival. Selon vous, déjà en quoi le rire pourrait-il aider contre le racisme ? En quoi le rire peut aider contre le racisme ? Alors, je pense que toute forme d'art peut aider contre le racisme. Que ce soit la musique, la peinture, c'est une façon d'apporter à l'autre une vision du monde qui est en général colorée, que ce soit à travers la peinture, le rire, la musique... La cuisine, à partir du moment où tout est coloré, on ne se rend pas compte de la différence des couleurs, mais plutôt de leur association et du plaisir de les associer.